Une immobilisation est enregistrée dans le compte d'immobilisation concerné, classe 2, pour son coût d'acquisition. Le coût d'acquisition est tout d'abord composé du prix d'achat brut hors taxe, auquel il faut soustraire les réductions commerciales, c'est-à-dire les remises et les rabais. Ajouter les coûts directement attribuables composés de frais de transport, de manutention, d'installation et de montage nécessaires à la mise en état d'utilisation de l'immobilisation. Lorsque la TVA est déductible, elle ne fait pas partie du coût d'acquisition. Ainsi, pour l'entreprise Alpha, le coût d'acquisition de l'outillage industriel, inscrit au débit du compte 2155, s'élève à 2180 euros.